Le moment de vérité, le moment d'une vie, un moment pour l'éternité. Finale du championnat du monde de handball, la France défie la Norvège. Des retrouvailles au sommet, deux semaines après la victoire difficile et angoissante des Bleus face aux Scandinaves. En phase de poule, la route vers la gloire s'achève à Paris. Les experts en quête d'une sixième étoile vont devoir mettre fin au miracle permanent norvégien. En attaque ou en défense, ça c'est pas le service. Allez Vincent, ouais, Vincent, parfait. Allez Vincent, bien sûr, le réveil de la bête. Et derrière, oui, Quentin Mahé pour l'égalisation à 16 partout. Les Français sont revenus empêcher les Norvégiens pour revenir au vestiaire à égalité. Johannessen, Sagosen, Tongen, attention à Sagosen sur son premier contact. Oui, encore une solution. Allez Lucho, allez, oui, avec Valentin. Juste avant la porte, la France est devant. Sagosen est l'arrêt de Vincent Girard. Il est entré en ébullition. Il va peut-être faire la différence ce soir. Titan, une domination au-delà de la raison, un dimanche pour l'éternité, une étoile de plus au firmament des Bleus, la constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des Français, gigantesque, fantastique, phénoménal. Bête qui est pour l'instant qui attaque. Et Pierre fait son effort. C'est incroyable, il y a encore une sorte de tassement là. Et Amos, et BAB qui porte son accélération. Pierre Ambroise Mos qui porte son accélération. Il part de très loin. Il a réussi à passer Bête. Et il a surpris tout le monde. Adam Schott n'a pas encore fait son effort. Il tente le coup de poker absolu. Pierre Ambroise Mos dans le fou impossible. Il est parti devant. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Oui. Oui. Champion du monde exceptionnel. Champion du monde, Pierre Ambroise Mos. Quelle histoire. Il l'a. Incroyable. Quelle course. Incroyable. Ah, je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. La 11e médaille d'or pour la France en athlétisme au championnat du monde. Et peut-être la plus inattendue, qui aurait parié un centime. C'est bon. Eh bien voilà, ce garçon face à lui, le Belge, pèse un petit peu moins, 105,7 kg pour Nikiforov. Un challenge complètement fou pour le Belge, il va tenter de bousculer le Français. Et tout de suite Teddy Riner qui vient chercher la manche, il va falloir monter bras droit, ça y est c'est chose faite. Teddy Riner qui peut lancer déjà, oui, Teddy Riner qui va, attention au contre, il faut bien rester dans l'attaque. Effectivement il faut bien rester dans l'attaque, qui déplace avant d'attaquer pour pas être en déséquilibre. Ouais, tout de suite, on peut pas préférer.
Wazari d'entrée pour Teddy Riner qui a pour faire lâcher son bras droit. Attention encore à corps. Il aime ça le Belge. Magnifique le retour. C'est bien Teddy. Seconde la forteresse. 24, on lâche rien. Le bras de brancard. Les deux brancards, deux bras tendus. On lâche rien. On laisse pas revenir. On laisse pas revenir Nikiforov. C'est presque fait. C'est presque fait. Teddy Riner entre dans l'histoire. Teddy Riner est champion du monde pour la 10e fois, c'est la décima, c'est la tennissima. Regardez avec frappé. Alex, ça, ce premier essai très important parce qu'il va peut-être pas pouvoir assurer les trois. Hein. Voilà, il a été strappé, blessé à Charletti quand il avait réussi 70-54. Le premier jet de Kevin Mayer au-delà des 65 mètres. Quasiment la longueur qu'il a réalisée à Rio. Et là, il sécurise véritablement sa première place. Sous les yeux d'Ashton Hinton, sans doute, il doit regarder ça, ça doit le démanger, j'imagine. De revenir. Ça sera dur parce qu'on est déjà en 4-20. C'est un Japonais qui gagne avec Toko en point de mire. Mais le champion du monde, Patrick, c'est lui. Français. C'est Kevin qui va franchir la ligne. Ah, il n'y aura pas de record de France. Non, il a. Et voilà. Je vous ai dit, il allait faire juste sa course. Voilà. La joie très simple de Kevin Mayer après deux jours d'effort et il va. De l'équipe de France dans un trou de souris. Ah, là.